You are standing in a place of remembrance. Please act respectfully. Surtout la foudre. Ah oui, à côté de l'Ember, il y avait quand même une fresque normalement. C'est dommage de pas aller la chercher. Je sais pas combien il m'en manque encore. Pas beaucoup, hein. On les a pour ainsi dire tous. Oh, des criminels. On est à côté d'un siège de corpo. Il va vraiment falloir qu'il soit plus précis pour me dire où est le criminel. Hein. Et hop, un peu de thunes et une mission de rempli. Vous essayez de me vendre du scope et vous le savez parfaitement. Putain, des flics. Trop de flics dans cette ville. Il y a des crimes partout et des flics partout, mais ils font jamais rien. Je les connais bien, les fortes têtes comme toi. Fais voir tes mains. La mort. Au moins c'est clair. Je me demande si le diable a été compté du coup.
D'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. J'ai eu quelques petits soucis avec les braves gens du Maelstrom. Oh, génial. Bon, écoute. Moi, j'ai eu Henry. Ouais. De te faire sortir de désintox. C'est une histoire de fou, en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Danny était à Night City. Il va l'avoir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi, moi aussi? Pourquoi? Ah, tu vas jouer avec nous, non? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Putain, 3 km quand même. Pas descendre plus. On peut monter ou pas? Mais non, mais... C'est pourtant pas faux d'essayer d'être calme, hein. Je vous ai dit, il y a peut-être une mise à jour depuis le début que j'ai commencé la partie, il y a 1h30, et qu'on a eu deux plantages.
Les cadavres se sont encore empilés. Bakel est passé. Ou V est passé. Bonjour à vous, je suis Harry Fibal et vous regardez WNS News. Nous en savons un peu plus sur la tentative d'enlèvement ayant visé Anako Arasaka durant la parade sponsorisée par Arasaka. D'après les premiers témoignages, les assaillants ont frappé alors que la fête battait son plein. Ils ont submergé la sécurité et pris le contrôle du char de l'héritière d'Arasaka. Heureusement, les forces de sécurité d'Arasaka, dirigées par Yorinobu Arasaka en personne, ont pu retrouver rapidement les ravisseurs et mettre Anako-sama en sécurité. Yorinobu-sama a depuis condamné public... 2,3 km. Ça veut dire qu'on a fait 1 km depuis que ça a planté. Je pense que la police va être derrière moi. Ah non. Tu vas me dire pas vu, pas pris à Night City, hein, mais... Let go. Let go. Pardon, excusez-moi. Mais du coup, on la connaissait cette adresse, c'est là où il vit le mec. En fait, il m'a rien donné du tout, en fait. Rentre par la porte cette fois. Hein. Va vraiment falloir que je reprenne la conduite, la conduite, la conduite, parce que là ça va plus du tout, la conduite, la conduite. Petit coup de frein, hop, petit coup d'accélérateur. Let go, let go. Continuez de chercher. Il fait chaud, non ? Mais t'es taré ou quoi ? Ah bah putain. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Tu tombes bien. C'est vraiment ta baraque ? C'est tes renforts, ça ? Juste au cas où tu oublierais ce que t'es venu faire ici à la base. C'est Kiri qui m'envoie. Pour le concert. Quel concert? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même? On reforme Samouraï. Pour une soirée seulement. Quoi?
quoi? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir? C'est touchant, mais y a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Denny! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous. Denny fait sa tête de mule. On est foutu. Est-ce que tout va bien? Trop pas, mec! Denny veut pas de moi au concert! Et on s'était déjà arrangé et tout! Attends, tu veux dire que Kerry te paye? Alors c'est ça? Ah, c'est génial, putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse! M'oblige pas à choisir. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Denny prend son pied. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à cette piscine? Tu savais que Kerry voulait convaincre Denny de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Trémios, putain. Peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé... T'es aveugle? Cet enfoiré a rempli ma piscine de ciment. Il avait peut-être une bonne raison. Lui? Une bonne raison? Va falloir se passer d'un des deux loustics. C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Kerry. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Denny prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Ah, à choisir, on devrait jouer avec Denny. Putain, Kerry, t'es sérieux, là? Ah, mais c'est elle qui fait chier son monde, là, c'est pas moi! Bon, écoute, je vais te filer... C'est quoi, Kerry? Je t'emmerde. Et heureusement que Silveran n'est pas là pour voir ça. T'as fini? Casse-toi. Bon. Et pour Nancy, alors? On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça, maintenant. Bon, on peut pas faire plus pour l'instant. À part attendre que Nancy appelle. Tout ça pour ça. C'est quoi tous ces textos là que j'ai reçus là? Arrêtez de morceler, messieurs. Ouais. Oh, putain, la moto me fait bien envie. Sont les deux autres. Je crois qu'il coûte une blinde, celle-là. Ah.
Ça même à rien d'y aller. Et 225 000, 138 000, je sais pas. Je crois que la portière est cassée. Il y a le pare-choc aussi. Ah bah les deux portières du coup. Tiens, ces gens ne savent pas conduire, c'est dingue. Je leur expliquer, la route est à moi. Mais il est pas totalement dans l'autre sens, le rond-point. Bien, ça c'est fait. Qui d'autre veut négocier? J'avoue, les points électriques, c'est quelque chose. Ah, toi aussi, tu les as? Ah non, lui, il avait la batte électrique. C'est bien aussi, hein.
parler à Bob. Ne dites rien, je le pense aussi. Bien sûr, tarte aux pommes qui explose. Je suis garé. Signale pas de crime, pas de raison d'aller attaquer le gang. Ensemble à la première. Et ils s'en tapent déjà une autre. Je te jure. Ah, quel con.
renard. T'as rien de mieux à faire? Je cherche Liam Norton. Vous le connaissez? Disons que je vois qui c'est. C'est pourquoi? Il est dans le coin. Je l'ai vu arriver. Mais c'était il y a une demi-heure. Je sais pas s'il est toujours là. Oui, quoi? Rien d'ouvert. Ah, j'aurais pu passer de là par toute la porte, d'accord.
Beaucoup trop de flair. Comment on fait pour monter? Je cherche Liam, Liam Norton. Ah, encore lui? Putain, je peux pas le voir, ce pommard. Pour boire pourri? Ouais. Et c'est une vraie tête de con. Et sa femme, c'est encore pire. Sa femme, hein? Intéressant. Enfin bref, il est où? Vous savez que je peux pas vous le dire. Vous pouvez pas, hein? Mais moi, je peux vous écraser la tronche comme une canette de Nicolas. Réfléchissez bien avant de dire non. Utilisez votre cerveau, tant que vous en avez un. Dans le salon VIP, avec une nouvelle femme. Il a commandé du champagne, ça sent la fête. Mais je vous ai rien dit, ok? Ok. Voyons ce qu'on a. Du champagne? Belle surprise. Voyez ça comme un gage de ma reconnaissance. Je sais que vous n'acceptez pas souvent d'utiliser la relique, mais vous ne faites pas souvent d'engrammes de personnes vivantes non plus. Pas de soucis. Arasaka s'intéresse de très près à la carrière de Lydie. Ce serait dommage qu'elle se termine prématurément. Une copie de sauvegarde est la solution la plus logique. À ce propos, quand vous ferez une sauvegarde, vous pourriez supprimer des traits de caractère indésirables? Parce que Lydie, depuis sa conversion, elle n'est plus elle-même. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les engrammes sauvegardés dans le programme Protéger votre âme ne peuvent pas être modifiés. Mais quelle serait l'importance de ces modifications? Considérable. Parfois, je ne la reconnais même plus. Et d'autres fois... Ah, oh, peu importe. Trinco, à notre collaboration. Oh putain, t'as entendu la même chose que moi, hein? La relique. Ils veulent lui faire la même chose qu'à moi. Pas exactement. Toi, ils t'ont effacé. Là, ils veulent juste faire une sauvegarde. Une sauvegarde? V, on parle d'une personne, là. Pas de photo de vacances. Il lui a même pas demandé son avis. Il va juste le faire dans son dos. Il a aucun droit de faire ça. Personne n'a le droit. Surtout pas sans lui demander. Merde. Comment je vais lui annoncer ça? T'as pas à le faire. Il y a une caméra. Et qui dit caméra, dit vidéo. Je vais lui péter les dents ou pas? Allô, V? Quoi de neuf? J'ai des infos sur Liam. Alors? C'est ce que je pensais?
Non, c'est pire, Lydie. Bien, bien pire. Comment ça? Écoutez, je connais pas tous les détails. Mais... Liam veut un engramme de vous. Une copie, quoi. Quoi? Mais... pourquoi? Il dit qu'il a peur. Pour vous et de vous. Non, je ne vous crois pas. Vous m'entendez? Je n'en crois pas un mot. Vous mentez. Je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Tenez, écoutez vous-même. Non, non! C'est... non, putain! J'aurais bien pété les dents quand même. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Cyberpunk. Parce qu'il faut encore qu'on fasse un concert. Qu'on découvre plein de trucs. Accepter le boulot. Non. Et alors? Ça se passe bien? C'est encore trop tôt pour le dire. Ouais, je vois, c'est ça. Le secret professionnel et tout ça. Quoi de neuf de ton côté à part ça? Tu sais, comme d'hab. Dis-moi plutôt ce qui se passe de ton côté. Night City te manque pas du tout? Oh, pas pour l'instant. Le bruit, les odeurs... tout ça, c'est trop frais dans ma tête. Alors, tu fais quoi ces temps-ci? J'y vais relax pour l'instant, mais je vais bientôt me remettre au boulot. J'ai une idée de cycle de vertu expérimentale. Parlons d'autre chose si ça te va. Ça marche. Je suis en voiture, alors ça tombe bien. C'était bon de parler. Je bouge pas, V. Appelle-moi quand tu veux. Parfait. Parfaite fin de live. Et bisous.